base. I've confirmed that all of the digger's functions are operating normally. We can now generate a wormhole home. Finally, we can kiss this dump goodbye. You know, Reeve, you really think we should just leave like this? What do you mean? We can't be the only ones who've ended up here. We can go home anytime now, right? So why don't we help the captain save as many people as we can first? Look, I'm not some kind of charity worker here. I'll help out as long as there's a common mission. But once that's over, me and the captain are done. Tell me you understand that. How can you be so... The captain and I are more than capable of rescuing castaways ourselves. Please, feel free to return home if that's what you want. Eh ben voilà. As soon as preparations are complete, access the wormhole digger. Alors là par contre, c'est assez dangereux en fait ce qui va se passer. Il va falloir farmer un peu je pense. Enfin moi je vais pas le faire parce que j'en ai pas besoin. Mais je vous conseille de farmer un peu, de récupérer des nouvelles armes, etc. Genre peut-être un fusil à pompe si vous pouvez, une mitraillette. Parce que vous allez en avoir besoin. Car il va falloir vous défendre. En tout cas, on peut monter de niveau pas mal. Avec ce qu'on a fait. Donc c'est bien. Donc on a ça, c'est bien. On va augmenter notre vie, on va augmenter notre force un peu. Et... et notre endurance. Dégueulasse. Donc là, on est bon. On a des caisses aussi qu'on a récupérées. On les ouvre. Ouais, les caisses, comme je dis, bah voilà, on récupère plusieurs armes de verre et tout ça. J'ai l'impression que dans un sens, je me force à utiliser des objets gris pour vous montrer, alors que normalement, on devrait être un peu plus opérationnel que ça. En tout cas, on va faire de la bouffe. Très bien. Chacal. Et voilà. Normalement après plus tard on pourra faire bouillir de l'eau pour qu'on ait de l'eau potable. Bon pour l'instant on n'en a pas, mais ce n'est pas grave. Alors maintenant le truc ça va être de... Alors aussi oui quelque chose que pas mal de gens ne font pas attention. Si vous allez dans changer équipement, donc vous pouvez changer équipement. Si vous faites shift ça recharge automatiquement les munitions et gadgets. Donc faites ça, c'est pas mal. Et désolé pour le bip. C'est l'ordi qui s'est dit, ah tiens, vous voulez activer les touches qui s'est... Enfin bref, vous en faites pas. On va mettre la pochette de survie pour porter plus d'objets. Après le reste, je pense pas que vous ayez quelque chose. Peut-être le carquois à la limite. Ah, ça peut être pas mal. On va mettre un petit carquois. Je vais dire que vous l'avez à ce stade du jeu. On va voir pour les munitions, les flèches normales, on en a plein, c'est très facile à faire, donc vous pouvez même les farmer vous-même si vous voulez. On a une masse, et normalement vous devriez avoir un fusil, j'espère en tout cas. Je vais même en crafter un à la con, juste pour le faire. Putain, arrête de vomir. Oh, je vais la soigner après, pardon, je vais la soigner parce que ça commence à être un peu emmerdant. Est-ce que vous pourriez établir d'armes avancées pour le faire? Peut-être pas.
Peut-être que fusil d'assaut, tout ça, non, vous avez pas encore. Vous avez peut-être pas encore. Bon, en tout cas, ouais. On va dire que nous avons pas encore. Bon, par contre, vous devriez avoir un pistolet. Donc, on va faire le pistolet. On va aussi renouveler nos grenades et nos cocktails. C'est pas là, c'est là. J'aime pas la disposition des ateliers au début. Donc ça c'est très simple, bouteille vide, pétrole et chiffon. Comme j'ai dit, le bouteille vide ça va être embêtant. Utilisez les cocktails, mais vraiment si vous en avez besoin, parce que les bouteilles vides en fait sont très rares. Enfin rares, au début en tout cas. Vous n'allez pas en avoir 3 millions, donc voilà, faites attention à ça. Les grenades on peut pas les créer, donc normalement vous devriez pas les avoir. Donc je vais pas les utiliser, je vais me forcer. Les trucs de soins c'est bon, on peut... Voilà, parfait. Par contre, on va voir pour les... Est-ce que les munitions, je peux les crafter? Sinon, bah, j'y vais comme ça. Hein. Ça me fait pas peur. C'est du 45. Non, on peut pas. Donc, je pense pas que vous ayez le choix. Est-ce qu'on reste à la machette? On va peut-être mieux, non? La hache de bataille. La hache de bataille est bien. Bon, elle est un peu lente, par contre. Moi, j'aime pas trop les armes à deux mains. Après vous avez toujours les lances, les bonnes vieilles lances. Et après vous avez les armes lourdes. Mais je pense que... Allez, on va prendre une hache de bataille. Voilà. Donc la hache de bataille est un peu lente. Regardez-moi ça. Ouais, je l'avais déjà montré, je pense. Donc sprint et taper, c'est beaucoup mieux. Hein, évidemment, sprint et taper, c'est votre dada. C'est ce que vous voulez faire. Donc on a plein de flèches. On a des barricades et on a les cocktails au pire. Maintenant on va essayer de se soigner. Est-ce que j'ai pour me soigner? J'ai. Donc on va faire ça. Enfin non, d'abord ce qu'on va faire c'est manger, boire. Voilà, on l'a bu à fond. Très bien. Maintenant... Ah tiens, ça a pas... Ah non, non, en fait, ça doit re-empoisonner si jamais elle se fait empoisonner, en fait. C'est ça le truc. Donc voilà, maintenant il faut... On peut manger les baies, du coup. On va même la soigner, ça, à l'épaule. Alors la défense, je la fais, en fait, tôt. Hein. Je veux dire que je farme pas, là. Hein. Normalement, il faudrait farmer. Hein. on va peut-être lutter, je vais peut-être pas y arriver aussi. Hein. C'est possible. Hein. C'est fort possible. On a une vitesse de récupération d'endurance. Pourquoi pas bouffer ça. Hop, voilà. Voilà. Et on va attendre pour l'eau. Quoique non, l'eau. On est à 2002. Ouais, c'est bon. Allez. Voilà. Voilà, elle est en forme, notre copine. Elle est en forme. Allez. Et voici la blague. C'est que ça a créé des trous de verre tout autour de la base. Enfin, plus ou moins tout autour. Et les errants arrivent. Alors bon, c'est pas très très dur non plus.
Voilà, vous avez vu le fait d'avoir augmenté notre niveau, maintenant c'est beaucoup plus simple. On devrait tout pouvoir faire à l'arc. Non, coupé. Quand tu veux, merci. Quand tu veux, tu le touches. Alors, ce que vous avez en fait comme la bonne chose qu'on a, c'est que. En fait, on a plein de débris tout autour de la Mother Base, tout autour de notre base. Donc du coup, en fait, ils vont les taper s'ils avancent. Et ça va vous faire gagner du temps. Voilà, il faut tenir 5 minutes. Rappelez-vous que c'est pas vous qui volent. Hein. C'est le trou, hein, c'est le trou de verre qui les font venir. Donc, vous pouvez aller complètement dans leur dos et les taper, quoi. Y a aucun problème, vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire ça aussi. Ah, non, pas. Je fais de la merde. Je fais de la grosse merde. J'ai perdu du temps. C'est plus facile de récupérer vos flèches aussi parce que quand ce sont des défenses comme ça, c'est un peu une tower défense en fait. Les ennemis en fait disparaissent directement et vous gagnez les cubanes. Donc du coup, bah, les flèches elles tombent par terre. Donc voilà quoi. Très simple. Après, regardez bien la map. Hein. On a quelques trous de verre mais pas énormément, c'est pas très très dur. Vous pouvez faire des petits temps morts pour récupérer des HP. Et dès que ça pop, il faut y aller. Hein. Il faut pas attendre 3 heures. Hein. Parce que comme j'ai dit, vous avez des défenses, des débris, mais une fois qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Hein. Par contre, on a un gros, c'est un bombardier. Bombardier, c'est dans les jambes. C'est dans les jambes qu'il est faible. Alors après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller le poignarder dans le dos. Il va pas exploser du coup. Mais là, je veux qu'il explose, donc on va lui faire des dégâts, en fait. Voilà. Comme ça, il fera exploser les autres. Ah, très bien. Un peu chiant, alors faire gaffe quand il fait ça parce qu'il fait mal, hein. Il fait très mal, donc restez loin. Voilà, très bien. Un truc que ce que vous pouvez faire avec l'arc très facile, c'est de tirer en dessous de la nuque. La nuque, ouais. Ça les one shot direct. Enfin, je l'avais déjà dit. Ah, quelqu'un qui... C'est lui, je crois. Ouais, lui, il avance un peu trop près, mais c'est bon. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger. Tout va bien. Qu'est-ce qu'elle est bonne. On continue. Après, quand il y en a plusieurs, je conseille pas vraiment d'y aller en mêlée, parce que... La plupart du temps, en fait, ils vont vous stunlock quand ils vont vous taper, donc vous allez vous faire enchaîner et ça va faire très très mal. Donc, l'arc aide énormément pour récupérer quasiment toutes les flèches. Voilà, c'est très très simple. Voilà. Par contre, là, il y a un gros groupe. On a même pas besoin de... De comment ça s'appelle? De cocktail, rien. Par contre, il y a un autre groupe qui vient d'apparaître sur la map. Là, on le voit. De l'autre côté.
qu'on commence à reculer. Voilà, allez, go. Il y a encore un groupe derrière, on le voit sur la map. Mais là, on a plus urgent. Un truc que vous pouvez faire, c'est quand ils sont là, vous pouvez taper. Mais bon, par contre, vous risquez de vous faire taper aussi, hein, c'est ça le problème. Donc faites attention à ça. Ah, la vie, elle est pas top. Il reste plus qu'une minute, mais bon. Rappelez-vous qu'un errant peut vous tuer. Peut très facilement vous tuer. Vous pouvez tirer dans les jambes aussi, ça marche bien. Voilà, je pense que plus rien. Là je crois qu'il n'y a plus rien. On va manger. Faut bien aussi regarder votre vie, votre nourriture et votre soif. Même pendant que vous combattez, parce que ça descend, hein, ça fait que descendre. Mais en tout cas, on est bon. Ça s'est très bien passé, juste avec l'arc. Voilà. Ah, elle est toute noire. Wormhole digger has stopped. Failed to generate wormhole. Why did it stop? Analysis reveals that there was insufficient energy to generate a wormhole. After recalculations following this failure, it has become clear that the energy from Kuban Energy is not enough. To generate a wormhole home, we must obtain a higher purity crystallized energy, Iris energy. It appears as though the information on the wormhole digger stored in my internal database was tampered with. Tampered with? Who would do something like that? My luck would be on good luck. Who are you? My name is Joseph Gruen. I'm in charge of the Detay research program. I'm communicating with you through the small wormhole you managed to open, though it probably won't stay open for long. There is a discrepancy in your explanation. According to records, the project is led by none other than Goodluck, not you. He's been relieved of duty. His repeated violation of orders and unilateral decisions. The upper echelon can no longer turn a blind eye. He is a brilliant man, and my friend. I have supported him to the best of my ability, but even I could not protect him in light of his sending an outsider to Detay. Such reckless behavior. Reckless? So the captain's mission... All Goodluck's doing. Our organization never sanctioned it. I imagine Goodluck wanted to use you to recover the core's data so that he could secure the technology for himself. But his plan failed. As of now, my job is to bring you back safe and sound. Just a moment. The captain's mission file mentions securing data critical to the captain. I think the captain should stay behind until this objective is completed. Critical data? Oh, the arm, I suppose. You needn't worry, Captain. Just another one of Goodluck's lies in his attempt to use you. You have the section's medical technology to thank for your recovery. The arm? Ah, yes, a personal matter. In any case, this was all a fantasy. Driven by one man's selfish desires. I am
Truly sorry for what you've had to go through, Captain. What about the remainder of the mission? Explore Dite and rescue any survivors of the Charon Corps. Well, you are already there. There can be no doubt that the data the Corps acquired would be of great use to mankind. The Section had been hoping to recover it. If you could continue with that part of the mission, however much you can do, it would be sincerely appreciated. Of course, I'm not trying to force you. Let's do it, Captain. We should save as many people as we can. Well, it looks like we're going to get cut off soon. I will do everything I can to ensure you make it home. I'm sending all data I have on the core over this line. We received it just before the core went silent. It's heavily corrupted. We can only make out bits and pieces, but if you go through it carefully, you may find information on singularities. That's where you can obtain Iris energy. Take a look if you hit a dead end. I am praying for your success. Et comme dans tous les Metal Gear, à part les fortes poitrines, vous avez toujours des gens qui commencent à dire que « Oh, je suis là pour vous aider. Non, mais c'est lui, c'est le méchant. Mais non, c'est lui le gentil. » L'histoire est intéressante. J'avoue, l'histoire est très intéressante. Signal de détresse reçu. Donc en gros maintenant... En fait, ce qui se passe dans l'histoire, c'est qu'on doit quitter Dite. On sait pas trop comment. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand-chose. Mais on récupère en fait des signaux de détresse. Là, il y a la singularité possible. Je vais expliquer ça. Mais d'abord, on va faire le signal de détresse. C'est important. Ah oui, des flèches. On va récupérer des flèches, puis on y va. De toute façon, on a quasiment rien perdu. Donc voilà. On a toujours de l'eau et de la bouffe sur nous, c'est très bien, on va juste se téléporter tout simplement. Ah oui, par contre on a récupéré beaucoup d'énergie cubane. Alors oui, il y a deux énergies en fait dans le monde de Survive. Vous avez les cubanes, donc énergie cubane là en bas à droite. Ça vous permet de monter de niveau, de créer des objets, que, restaurer des objets, etc. Faire des munitions, machin. Mais vous avez aussi en fait l'énergie Iris. Alors l'énergie Iris, c'est une énergie qu'il faut extraire grâce à des excavateurs. Donc ça, c'est un excavateur. Et lui, en fait, il marche à l'énergie Iris et pas à l'énergie cubane. Donc là, on l'a vu dans la cinématique, ils nous ont expliqué ça. L'énergie cubane n'est pas assez puissante, n'est pas assez pure pour pouvoir fonctionner. En tout cas, on va se téléporter aux deux et on va aller récupérer notre personne. Donc voilà, l'énergie cubane n'est pas assez pure, ne marche pas. Et ça, ça sert strictement à récupérer de l'énergie Iris, les excavateurs. Et vous allez avoir besoin d'un bon paquet d'Iris, en fait, pour pouvoir faire marcher l'excavateur. Et c'est ce qu'on va faire. En tout cas, comme d'habitude, tout droit. Toujours avec les drapeaux disponibles, si besoin. Après, en fait, le fait de combattre les errants, ça sert strictement à rien dans le sens où c'est si vous récupérez pas en fait l'énergie cubane sur eux. Donc si vous avez juste dans l'intention de courir sans vraiment vous arrêter pour récupérer les cubanes dessus, bah ça sert strictement à rien de les combattre quoi. Donc les combattez pas au final. C'est ça le point important, c'est ne le faites pas. Ouh, mais qu'est-ce qu'on vient de découvrir? Et voilà. Un autre passage avec avec des animaux et tout. Donc vous voyez que là, en fait, là, le niveau de nourriture, tout ça, c'est pas très très difficile. Vous n'allez pas avoir vraiment trop de problèmes. Là, il y a une... Je crois qu'on peut monter là si je me gourre pas. On va continuer à récupérer des baies, des conneries comme ça. Même si on n'en a pas vraiment besoin. Voilà. Il y a des animaux en plus ou pas? Non, normalement il y a des oiseaux, ouais, voilà. C'est ça. Voilà, très bien. Putain, je suis un putain de tireur d'élite. Vautour fauve, très bien.
Y a beaucoup de différents animaux qui volent aussi, genre des vautours, des corbeaux, etc. Et ça, pour l'instant, en tout cas, ce niveau du développement de jeu, il n'y a pas eu du bien et rien, il n'y a pas eu de rajout. On ne peut pas garder les oiseaux, on ne peut pas les capturer en fait. Donc pour l'instant, on peut seulement les tuer, les dépecer. Donc quand vous en voyez, essayez de les tuer directement parce que, bon voilà, il n'y a pas de moyen de les farmer, c'est ça que je veux dire. Et voilà. Pas les trucs là, droite. Il faut y avoir des caisses, non. Et voilà, nous y sommes. Donc maintenant il faut trouver notre bon vieux... Notre bonne vieille personne qui est apparue du vortex. Elle devrait se trouver pas très très loin. En tout cas j'espère. J'avoue, je sais pas du tout où elle se trouve. Hein. J'avoue, je me rappelle plus. Ouais, pas là. Elle doit être dans le... Dans la cendre, je pense. Parce que sinon, on verrait en fait sa vie. Je pense qu'elle doit être dans la cendre. Après, si je la trouve pas, bon bah, on va autre part, on se casse. C'est pas grave. On vient de perdre la connexion. Alors... Pas d'objet, rien. Voilà, on a fait le tour, on est en... Ah, tiens. Il est où ce mec? Il est où ce con? Que je vais pouvoir. Ouais. Ah yes. Parce que des fois en fait les oiseaux, ça dépend où ils atterrissent. Bah vous pouvez pas trop les récupérer en fait. C'est un peu ça le problème. J'avoue que je trouve ça un peu bizarre, je vois pas où est le mec. Bon, à la limite on s'en fout, à la limite on se casse. Parce que j'ai pas que ça à foutre non plus en fait. Ce que je veux faire, c'est la mission principale. Bon, en tout cas, débrouillez-vous si vous voulez trouver des gens. Voilà. Si vous voulez trouver des gens en plus, bah vous vous débrouillez. Comme j'ai dit, là on est là pour la mission principale. Pour l'histoire. Alors là, il y a un coffre normalement à l'intérieur, mais bon, on n'a pas vraiment besoin de le récupérer. On va continuer tout droit jusqu'à ce que notre hydroïde refonctionne. Il y a une lumière bleue. Ah ah ah! Cristal, on s'en fout. Ta-da. Alors, comme j'ai dit, prenez des drapeaux. Alors là, je les utilise pas les drapeaux parce que je connais la map. J'arrive à me repérer à l'œil. J'ai pas besoin vraiment de la droïde. Mais mettez des drapeaux partout. Il n'y a aucune limite hein, pour les drapeaux. Hein. Vous pouvez en mettre 300 000 et ils resteront sur la carte. Donc, mettez-en un max. Si ça vous permet de vous repérer à chaque fois. Alors quand il y a des trous comme ça qui apparaissent, faut faire attention parce que les rats en fait vont voir directement ce que c'est. Donc si vous voulez vous approcher, allez-y doucement quoi.
Ouh, qu'est-ce que c'est gros. Par exemple, là, on peut le mettre. Alors là, c'est assez dangereux. Alors cette mission est assez dangereuse. Moi, je l'ai fait, j'ai failli crever la première fois, toute première fois que je l'ai faite. Mais en fait, j'ai perdu du temps à cause de, en fait, de l'exploration. J'ai trop exploré. Je suis pas allé directement sur l'objectif. Je vais juste aller voir deux secondes s'il n'y a pas des caisses à détruire. Semble pas avoir grand chose. En tout cas, ici ça va être notre base, donc c'est une base en Afghanistan, hein, c'est un peu comme The Phantom Pain, elle est un peu détruite, mais il va falloir la défendre. Donc on va placer l'extracteur de Iris, et on va l'activer, et ça va faire venir énormément de monstres. Donc là on peut voir comment ça marche. Donc ça, ce sont le système de Tower Defense, et c'est ce qu'il y a en fait en multijoueur. C'est comme ça que le multijoueur fonctionne. Donc voilà, donc là on voit qu'il y a 4 endroits. Par contre, faut faire gaffe parce qu'ils sont. Ils sont un peu haut niveau. On va juste faire le tour de la base vite fait. Pensez aussi que vous n'avez pas de d'oxygène, hein. L'oxygène n'est pas infini, donc faut penser à ça aussi. On va manger et boire. Voilà, surtout boire en fait, enfin surtout manger parce que boire, j'ai pas envie d'être malade. Voilà, on peut le lancer le truc. On peut le lancer de toute façon déjà. Voilà. Après, ce que vous pouvez faire, c'est tuer les trucs aux alentours, mais bon, si vous avez le temps, quoi. Comme j'ai dit, le problème à ce moment-là, c'est l'oxygène. Ah, donc on doit protéger. Parce qu'on a quand même des mecs un peu partout. Très bien, l'arc est un peu fatigué, mais voilà, ça dure pas très très longtemps, ça va. J'avais même pas vraiment besoin d'utiliser le cocktail. Les vagues font peur, mais voilà. Voilà, maintenant il recommence. Donc on va faire ça, on va se remettre de l'oxygène. Vous n'avez pas beaucoup de temps entre les vagues, hein. Attention, vous avez 30 secondes, c'est tout. Les vagues deviennent de plus en plus petites, je crois bien, si je me trompe pas. Donc ça devrait passer. Là on a moins d'entrée en fait. Mettez-vous en position quand ils arrivent, hein, avant qu'ils arrivent, et commencez à tirer en fait avant qu'ils arrivent. Vous pouvez même aller à leur rencontre en fait.
C'est même conseillé. Continuez de tirer au maximum. Tout en reculant, ça passe. Ok, maintenant on avance, on récupère quelques flèches. Allez, on recommence. Faites gaffe à votre endurance. Il y a un truc que vous pouvez faire. Ça. Oh là. Dangereux le mêlée, dangereux. Quand ils font ça, c'est-à-dire qu'ils vont foncer dessus la plupart du temps. Encore une minute à tenir, ça va. Après, l'excavateur a aussi un système de défense. Ah, il va faire péter en fait tout autour de lui si jamais il prend trop de dégâts. Mais bon, le top, ça serait qu'il se fasse pas, prendre en dégâts quoi. Ça, apparemment, il y a un groupe qui s'est arrêté sur la route. Ah non, 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 non. Non, ils font pas vraiment beaucoup de dégâts à l'esclavateur. Parce que c'est la première fois qu'on a une mission comme ça, donc c'est pas très très dur non plus. Alors, pendant qu'ils font ça, on peut les poignarder. Position change encore. On y est presque. Il faudrait un peu d'eau. Pas grave. On va se débrouiller sans. Et encore ça. Toujours en garder de réserve au cas où si on en a besoin. Par contre, plus vous êtes loin et plus vous perdez en force avec les flèches, hein. Ça c'est connu aussi. Hop là, c'est une belle flèche. Et on est niveau combien? Pas beaucoup, on est que 9 hein. Et on a qu'un arc et bon, ça se passe très bien. Comme j'ai dit, si vous savez un peu ce que vous faites, pas vraiment de problème. Ah, déjà ça y est, on a plus de flèches. On va récupérer un peu. Est-ce qu'on a l'attaque sautée? Je suis en train de me poser la question. Oh la bah, je l'ai juste loupé, il était devant moi quoi. Complètement loupé le truc. Voilà, par contre je vais pas pouvoir passer par le dessus. Ça c'est un peu ma faute, on a perdu du temps. Ah bah on voit voir que le trou de verre a de la défense mais bon. Voilà, on a pas vraiment besoin en fait.
Quand il va, en fait, quand il va perdre un cran, ça va faire une explosion tout autour. Par contre, on va aller récupérer des flèches, parce que je vois une grosse boule sur la map. Et les grosses boules, c'est jamais intéressant, c'est pas intéressant, c'est jamais bien, jamais bon signe. Donc, ce que vous pouvez faire, comme je l'ai dit, si vous voulez pas le faire péter, vous faites ça, passez dans son dos. Si vous voulez, vous loupez pas, comme moi. Oh la vache. Voilà. Et voilà. Maintenant, il pète plus et il disparaît. Elle est un peu fatiguée, notre Tifa. Ouh, mais qui est attiré par l'énergie Iris? Par contre... oxygène. Mais qui est attiré par l'énergie Iris? C'est pas bon, ça. Faut bien penser que là... une fois que la vague est terminée, vous faites pas téléporter à la base. Hein. Il va falloir y retourner à pied. Hein. Ah, très bien. C'est bon, tout va bien. Ce qu'on peut faire, c'est partir. Maintenant, il faudrait... hop, transporteur 5, c'est là-bas. Le boulot, on peut partir. Il y a pas mal de trucs à looter, à récupérer. Voilà, le truc a été téléporté. Vous pouvez passer un petit moment ici. Si vous avez encore une fois de l'oxygène, on a 300 mètres à faire et on a plus que 63%. Bon, je peux encore utiliser de la durabilité, mais bon. Voilà quoi. Acier inoxydable, voilà, ça c'est bien. Ça, c'est bien pour la bonbonne. Voilà. Avec très peu, vous pouvez faire beaucoup, hein. C'est ça qui est important à savoir dans Survive. Hein. Avec très peu de choses, vous pouvez faire énormément de choses. Genre seulement avec un arc. Comme je vous ai dit, une fois que vous avez débloqué l'arc, le jeu devrait être beaucoup plus facile. Par contre, on va passer par là, parce que je crois qu'on peut pas faire... là, ça va être un cul-de-sac. Va falloir faire le grand tour. Encore une fois, vous prenez... relève-toi. Vous prenez des grillages, des sacs de sable, c'est plus que suffisant. Si on récupère pas de la vie, c'est parce qu'en fait on a un saignement. Si vous vous demandiez. Et on y va. C'est... tout à fait normal d'avoir un comité ici parce qu'en fait vous êtes obligé de faire le tour. Donc je crois qu'ils ont fait exprès de mettre un gros comité d'accueil sur le passage. Là-bas il y a un coffre, on pourrait faire le coffre ou alors on rentre. Nous on va rentrer tout simplement. On a la lumière verte. Ça veut dire que c'est un téléporteur. Oh merde! Je l'ai vu au dernier moment. Alors faut faire gaffe à eux, ceux qui s'accrochent. Pourquoi? Bon, déjà, ils vous font perdre du temps. J'arrive plus à prononcer mes mots. Mais pas que ça. Des fois, en fait, ils peuvent vous casser la cheville. Et du coup, vous pouvez plus courir, plus marcher, rien. Vous êtes super lent. Et en fait, tous les monstres, ont le temps de vous rattraper, vous de bouffer, quoi. Donc, faire gaffe. Faire très attention à ça.
Hop. Voilà. Measuring energy obtained. Damn it. You must be patient. After all, better to be safe than sound. I think you're mixing your proverbs together. We're analyzing the data we got from Mr. Gruen. It will take some time. We don't detect any other memory boards at the moment. Why don't you continue with the mission, as well as search for survivors as Miranda suggested?